Salut tout le monde, c'est Why Not We, on retourne aujourd'hui donc pour parler de la Corvette C2 Stingray. La seconde génération de Corvette baptisée Stingray est conçue par Larry Shinoda sous la direction stylistique de Beat Mitchell. Lancée en 1963, elle est produite jusqu'en 1967. La nouvelle Corvette en version coupée possède des vitres arrière, donc en deux parties, et deux fausses grilles de ventilation sur le capot. La vitre arrière séparée sera supprimée en 1964 à cause de problèmes de sécurité, de même pour les grilles sur le capot. La C2 est équipée de suspensions arrière indépendantes. Le V8 Small Block de 5,4 litres développe 250 chevaux à 360 chevaux en 1963 selon l'option choisie, et jusqu'à 375 en 1964. En 1965, un Big Block de 6,5 litres, donc développant 425 chevaux, est aussi proposé sur la version de 1966 à 1967, se verrant proposer en option une motorisation 7 litres, donc la 427 CI. La version L88 de ce moteur est officiellement estimée à 435 chevaux, mais les sources externes lui donneraient plus de 550 chevaux. Seules 20 Corvettes ont été commercialisées avec ce moteur en 1967, et ces voitures peuvent aujourd'hui dépasser 600 000 dollars aux enchères, ce qui en fait l'une des plus recherchées de l'histoire des Corvettes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et à bientôt pour une prochaine vidéo pour parler d'une autre voiture. Salut tout le monde!